Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur. N'oubliez pas Tipeee, nous en avons besoin, vraiment. Likez, partagez et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Alors bonjour. Aujourd'hui, pour commenter cette semaine qui est vraiment très, très riche en événements, je vais essayer de commenter les silences et les vacarmes également qui m'ont intrigué dans les médias. Des silences autour de la mort de Prigovine, le chef des mercenaires russes de la part des chaînes de télévision comme la chaîne chinoise, ou la chaîne algérienne, AL24 News. Mais le vacarme d'autres chaînes qui sont toutes, absolument toutes occidentales. Un vacarme qui cache à mon avis, à travers ce fait divers, l'aveu de l'échec de la contre-offensive ukrainienne. Puis un autre silence retentissant également, c'est l'énoncé des nouveaux entrants, ou l'oubli de l'énoncé des nouveaux entrants dans les BRICS par la chaîne algérienne AL24. En effet, l'Algérie était un des candidats à l'entrée dans les BRICS. Ils n'ont pas été choisis. Et donc, on ne cite pas les autres pays qui ont été choisis. Ouais. Et puis d'autres silences également. Mais alors là, c'est ceux de Pékin et de Moscou concernant le succès invraisemblable de l'Inde d'envoyer un satellite et puis une sonde sur le pôle Nord de la Lune. Extraordinaire. Eh bien, pas un mot. Par contre, guerre économique oblige, beaucoup, beaucoup de sujets sur cette réussite vraiment extraordinaire de la part des chaînes occidentales qui aimeraient bien, finalement, l'Occident aimerait bien avoir quelques faveurs de la part de New Delhi. Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le ministre turc des Affaires étrangères Rakan Fidan à Kiev. Les deux hommes ont discuté des expéditions de céréales affectées par l'expiration de l'accord céréalier de la mer Noire. Ankara affirme qu'elle poursuivra ses efforts pour relancer cet accord après que la Russie a suspendu sa participation à la mi-juillet. Au début du mois, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il rencontrait probablement le président russe Vladimir Poutine pour évoquer cet accord. Moscou dénonce de son côté des entraves à ses propres exportations de céréales du fait des sanctions occidentales. En représailles, les forces russes ont ces dernières semaines frappé plusieurs infrastructures portuaires ukrainiennes à Odessa et dans les ports du Danube. Je considère que l'événement important de la semaine est moins ce qui est arrivé à Prigojine que ce qui s'est passé à Johannesburg. Je voudrais ajouter quelque chose à ce sujet. Moi, je ne me suis pas beaucoup passionné pour ce qui vient de se produire. Bien évidemment, c'est un événement, je veux dire, qui va interpeller. Mais d'abord, je n'étais pas absolument pas un fan de Monsieur Prigojine. C'est un oligarque, c'est un voyou. Je le tenais peut-être à tort pour un pitre militaire, mais je pense que c'était à raison. Il a fait de la communication. Je suis pas sûr que son groupe n'ait pas subi de lourdes pertes du fait du comportement de leur chef. Enfin bon, ça c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai entendu. Toujours est-il que, pour renvoyer à ce que je disais au début de notre vidéo, je pense que c'est une péripétie. Alors on va s'y intéresser, bien évidemment. C'est une péripétie dans la marche du monde là qui s'est accélérée depuis l'année dernière. Je me répète, je radote, je finis par radoter, et je pense pas que ce soit d'un intérêt extraordinaire. Ça c'est ma propre position. Tout à fait. En fait, le point de focal, c'est les conséquences. Les conséquences
sur Wagner, c'est-à-dire la capacité de l'État russe à continuer ses opérations d'influence militaire en dehors du territoire russe, donc en Afrique essentiellement. Ensuite, est-ce qu'il y aura des conséquences sur le plan militaire des opérations ? Aucune, hein, puisque les seules conséquences qu'il aurait pu avoir, c'était les 23 et 24 juin, il n'y en a eu aucune. Quand Wagner est arrivé dans les pays d'Afrique, qu'est-ce qu'il a dit en réalité, en Centrafrique ou au Mali ? Il a dit au président, voilà, nous venons pour vous protéger, parce que les Français ont une mauvaise habitude, c'est de virer les présidents quand ils ne leur plaisent plus. Ce qui n'est pas totalement faux, hein, ce qui est arrivé assez souvent. Et donc il disait, si vous nous prenez comme garde du corps, en définitive, si nous assurons votre sécurité, on revient à la sécurité, si on assure votre sécurité, vous êtes tranquille, les Français ne pourront pas vous renverser. Et si quelqu'un tente un mauvais coup contre vous, on est là, et ça sera réglé. Donc, c'était très tentant pour les gens, sachant qu'effectivement, dans ces pays-là, les relations avec la France n'étaient pas les meilleures, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Kremlin dément tout lien avec le crash d'avion qui a coûté la vie à Yevgeny Prigojine et à plusieurs de ses proches collaborateurs. Depuis mercredi soir, de nombreux dirigeants occidentaux accusent Moscou d'avoir orchestré l'élimination du chef de Wagner après sa rébellion avortée il y a 2 mois. Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютно. И здесь, конечно, нужно исключительно, освещая эту проблематику, основываться все-таки на фактах. La question de l'avenir des membres de Wagner se pose désormais. Depuis vendredi, un décret présidentiel oblige les paramilitaires à jurer fidélité et loyauté à la Russie. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko espère lui garder sur son territoire les membres de la milice. Puisque l'assassinat politique, il existe en Russie, mais il existe également en Ukraine, mais bien sûr on en parle beaucoup moins. Récemment, il y a un des, très étrangement, un des négociateurs de... Dès la première semaine, les Ukrainiens ont voulu négocier. Un des négociateurs ukrainiens qui a été assassiné par le SBU. Premier exemple. Alors, c'est les exemples récents, hein. Mais on peut également s'interroger sur l'accident d'hélicoptère de l'ex-ministre de l'Intérieur. Alors, c'est soumis à enquête. Mais comme dans le cas de Prigojine, il y a les hypothèses de l'accident, mais également les hypothèses de l'attentat, ou interne ou externe d'ailleurs, hein, qui peuvent être, sachant que c'était un personnage qui était également extrêmement décrié, puisque le ministère de l'Intérieur a toutes les forces de défense territoriale sous ses ordres, et avec bien sûr quelques soupçons de corruption, comme d'autres autorités ukrainiennes, à commencer d'ailleurs, puisqu'on en parle un peu moins, le ministre de la Défense actuel. Les Américains ont réagi assez rapidement, d'abord en Bosnie, avec MPRI, où la société MPRI a formé l'armée croate et est intervenue, et les Kosovars. A soutenu les maquis, enfin les Kosovars, qui étaient en guerre contre le pouvoir central. Absolument. Alors là, c'était encore une action indirecte, parce qu'on était plutôt dans la formation, dans l'encadrement, dans la fourniture d'armement et de munitions. Et puis très rapidement, avec les conflits en Irak, en Afghanistan et en Syrie, les Américains ont engagé cette fois des unités militaires privés au sens propre, qui, pour certains, ont participé au combat. Pour d'autres, ont fait du renseignement en lieu et place de la CIA ou en soutien de la CIA. Pour d'autres, ont fait de l'escorte des sociétés qui participaient à la reconstruction. Ont fait de la protection de chefs de guerre afghans ou d'autorités irakiennes travaillant avec les Américains. Donc, il y a eu, côté américain, une véritable diversification des tâches confiées aux sociétés militaires privées. Puis surtout, une multiplication de ces sociétés qui sont apparues. Et finalement, ipso facto, les Russes ont fini par copier cela. La Chine a énormément développé ses sociétés militaires privées et on va les retrouver principalement tout au long des routes de la soie, puisque ces routes de la soie, nouvelles routes de la soie, One Belt, One Road, qui partent bien sûr de la Chine pour arriver jusqu'en Europe, traversent des tas de zones de conflit. Oui. Hein, elles sont sur au nord du Pakistan, elles vont traverser des parties d'Asie centrale, l'Afghanistan, et sur toutes ces zones-là, les Chinois ont confié la sécurité à des sociétés militaires privées, qu'on va aussi retrouver en Afrique, puisque partout où les Chinois sont présents pour développer des infrastructures, et surtout pour extraire des minerais comme le lithium, le coltan et des matières premières stratégiques, on trouve des sociétés militaires chinoises, encore une fois, composés d'anciens militaires chinois, et puis qui font
qui ont fait beaucoup plus rapidement que les Américains quelque chose d'intéressant, qui ont commencé à faire des films et des séries télé sur leurs unités, ce que les Américains font également parfois, mais les Chinois, de manière assez surprenante, n'ont pas attendu, n'ont pas laissé s'écouler un long laps de temps entre la création de, de ces unités et puis la communication autour d'elles pour sans doute attirer de nouveaux candidats. Et bien sûr, n'oublions pas notre cher Arestovitch qui, après sa sortie médiatique sur le bombardement de Dniepro, justement, où il avait dit que le missile qui était tombé, en fait, c'est un missile anti-aérien ukrainien qui était tombé sur l'immeuble. Il a d'abord été viré, hein, on va parler très clairement, et ensuite il a été inscrit sur le site Mirotvorets. Je vous conseille de vous intéresser d'ailleurs à ce site Mirotvorets, qui est le site qui liste les ennemis de l'Ukraine et qui liste également les décès violents ou pas des ennemis de l'Ukraine. Et lui, il a été inscrit sur ce site, et de mémoire, il me semble qu'il s'est de manière prudente expatrié. Il me semble qu'il est expatrié actuellement en Italie, à confirmer. En tout cas, il n'est plus sur le sol ukrainien. Donc, ça veut dire que lui-même se sentait en danger. Et bien sûr, il y a des antécédents, puisqu'il y a eu en 2015, le journaliste pro-russe qui a été assassiné à Kiev. Donc, on est dans des pays où souvent les conflits politiques ou les conflits d'idées se règlent de manière violente. Alors maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va peu à peu se rapprocher du théâtre ukrainien et notamment du théâtre terrestre. On va remarquer que même si la flotte de la mer Noire a la suprématie maritime dans le conflit, les Ukrainiens, de manière audacieuse, arrivent encore à mener des actions coup de poing en Crimée ou également sur certains bateaux qui passent en mer Noire. Alors, comment on peut l'expliquer, ça? On peut l'expliquer d'abord parce que les Ukrainiens ont des forces spéciales qui sont quand même remarquablement bien entraînées et qui utilisent de manière adroite des moyens comptés, mais surtout parce qu'ils ont l'appui renseignement de l'OTAN qui leur permet de passer entre les mailles du filet du blocus russe. Alors, ils font ça avec des petits bateaux rapides. Alors, tu sais que il y a quelques semaines, on s'interrogeait sur la possibilité de bateaux nourrices qui permettraient aux drones navals ukrainiens d'être lancé à proximité des ports russes, hein, notamment du port dans lequel avait été touché le bateau amphibie. Peut-être que ce ne sont pas des bateaux nourrices et que tout simplement ce sont ces ex-stations gazières qui ont été abandonnées depuis que les Ukrainiens ont réussi à bombarder l'île aux serpents. Donc, apparemment, certains de ces bateaux partiraient depuis ces stations qui se trouvent en mer, ces stations gazières, hein, c'est des stations de pompage gazier, et ça serait leur base d'attache. On peut imaginer que de temps en temps, ils arrivent à s'infiltrer et puis à les occuper. Alors, on peut s'étonner quand même sur le fait que les Russes ne soient pas au courant et n'arrivent pas à les surveiller de manière constante. En tous les cas, c'est un fait, puisqu'ils ont réussi une opération commando dernièrement, directement à partir du port d'Odessa. La contre-offensive ukrainienne met les Russes sous pression à Bakhmout. En Ukraine, c'est le nord-est qui concentre les efforts de Moscou et la zone de Koupiansk qui connaît un regain de tension. Sur ces images du ministère russe de la Défense publiées samedi, l'armée pilonne au tir de mortier en direction de Koupiansk, secteur privilégié par les Russes pour ralentir les Ukrainiens. Conséquence, un café a été visé dans le village de Podoli, tuant au moins 2 personnes et blessant une autre. Ce samedi, 6 civils ont été blessés dans la région de Belgorod et 2 drones ont été interceptés près de Moscou. Mercredi, c'était le quartier d'affaires de la capitale qui a été visé. La Russie dit avoir abattu 42 drones ukrainiens en Crimée. Ils n'ont pas confirmé un quelconque bilan humain ou matériel. Maintenant, je voudrais revenir sur l'attaque russe d'il y a 2 semaines sur l'aérodrome de Staro-Konstantinov, qui était l'aérodrome qui hébergeait les Sukhoi-24M qui tiraient les missiles Storm Shadow et Scalp. Donc, depuis 2 semaines, on peut constater qu'il n'y a plus d'attaque de Storm Shadow et de Scalp. Donc, soit les SU-24 ont été neutralisés,
soit la réserve de missiles Storm Shadow et Scalp est épuisée ou a été neutralisée, soit les deux. D'ailleurs, très curieusement, la proposition allemande de livrer des missiles Taurus, qui sont des missiles comparables aux missiles Storm Shadow et Scalp, ne semble plus d'actualité. Sur le plan de la guerre aérienne, on est face à une défense, une armée de l'air russe qui a des capacités d'attaque à très très longue distance, aux 200 km. Donc, le concept qui était issu de la guerre du Vietnam, de combat tournoyant avec des avions très très agiles maintenant, est remplacé par cette capacité d'attaque RR à très longue distance dans la frange des 200 km. Cela veut dire que dès qu'un avion ukrainien décolle, eh bien, les avions russes qui sont en patrouille, les Sukhoi 35, le détectent et peuvent lancer des missiles à très très haute vitesse, mais à longue portée, sans que l'avion ukrainien ne les ait détectés, en fait. Donc, c'est une vraie problématique, et je ne pense pas que l'arrivée des F-16 va changer cette problématique-là, notamment avec un nombre compté qui va arriver de manière progressive à partir de 2023, fin 2023, on va dire, hein, pour la première, je dis bien pour les pilotes formés, parce qu'on est sur la formation des pilotes. Autre point intéressant, sur l'offensive sur Robotyne, puisque les Ukrainiens font effort sur cette partie-là du front de Zaporijjia. Il y a deux hélicoptères Ka-52 cette semaine qui ont été abattus, donc on peut imaginer qu'ils sont peut-être en train de recréer une bulle de défense solaire dont ils avaient besoin. Hein, donc ils ont été abattus par des missiles qui ne pouvaient pas être leurrés par les contre-mesures des Ka-52, dont des missiles d'origine suédoise. Il y aurait eu 10 000 pertes chez les Polonais, qui eux sont très investis. On peut imaginer qu'il y a une correspondance en fait sur les pertes. Hein. Ouais, mais alors ça veut donc dire que les Polonais sont très investis sur le terrain, s'entend. Hein, je pense qu'il y a 10 000 pertes polonaises. Hein. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de volontaires polonais sur le terrain. Je pense que c'est d'ailleurs le contingent étranger qui est le plus présent, pour plein de raisons. Hein. L'armée polonaise sera-t-elle bientôt la première armée européenne ? La question aurait pu faire sourire il y a encore quelques années, mais aujourd'hui cette hypothèse est à prendre au sérieux, même si à l'échelle européenne, la Pologne ne dispose pas de l'arme nucléaire, au contraire de la France ou du Royaume-Uni. C'est peu de choses que de dire que Varsovie et Moscou ont historiquement des relations exécrables, tandis que la Pologne garde le souvenir d'avoir été parfois abandonnée à elle-même par les puissances occidentales, notamment en 1939 lorsqu'elle a subi l'attaque conjointe du Troisième Reich allemand et de l'Union soviétique. Ces dernières années, les tensions russo-polonaises se sont surtout concrétisées par l'intermédiaire de tensions avec la Biélorussie. Côté biélorusse, l'ingérence polonaise dans le soutien à l'opposition au président Loukachenko, en particulier durant l'été 2020, a définitivement scellé le réalignement total de Minsk sur Moscou, alors que jusqu'alors, le président Loukachenko, sans remettre en question le fait qu'il se trouve dans l'orbite de Moscou, s'est forcé de mener dans certains domaines une politique un peu indépendante, y compris d'ailleurs au sujet de la gestion du Covid. Côté polonais, l'hostilité à l'endroit du pouvoir biélorusse s'est fortement accrue lorsque Loukachenko a organisé une vague de migrants à la frontière polonaise en 2020, puis en 2021 a détourné un avion étranger en vue d'arrêter un opposant biélorusse se trouvant à l'intérieur de cet avion. Selon Ferenc Almachi, il faut toutefois comprendre qu'au-delà des narratifs qu'utilisent les uns et les autres, chacun s'efforce surtout de pousser ses pions et de défendre ses intérêts. Si on parle de politique, on parle parfois aussi de cynisme ou de machiavélisme. Je crois qu'il faut faire attention à tous les récits, tous les narratifs des uns et des autres. Il faut aussi se garder de croire qu'un gouvernement, un État ou un État profond puisse être foncièrement à côté de la plaque. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, la Pologne est assurément le soutien le plus engagé à l'Ukraine. Dans la logique polonaise, même si celle-ci n'est pas toujours exprimée aussi directement, il s'agit d'épuiser la Russie, non pas nécessairement dans l'espérance raisonnable qu'elle serait défaite, mais à tout le moins qu'elle serait suffisamment fatiguée pour ne pas envisager comme possible une attaque à l'encontre de la Pologne. En parallèle de cela, la Pologne est désormais le pays membre de l'OTAN qui investit la plus grande part de pourcentage de son PIB dans sa défense, avec presque 4%, devant même les États-Unis qui sont aux alentours de 3,5% de leur PIB. En clair, d'un côté, la Pologne se débarrasse de son matériel militaire quelque peu obsolète pour l'offrir à l'Ukraine, et de l'autre, elle investit massivement dans la modernisation de son armée. Ainsi,
La Pologne est actuellement en train de se fournir massivement auprès de l'une des armées les plus modernes du monde, à savoir l'armée sud-coréenne. Varsovie a contracté un prêt de près de 10 milliards de dollars pour obtenir de Séoul près de 1000 chars, 600 obusiers, 280 missiles à longue portée et 48 avions de combat. Un autre prêt de 15 milliards de dollars est actuellement en négociation. Selon Ferenc Almaty, il faut voir dans cette volonté polonaise de s'armer une prise en compte des scénarios de long terme, notamment celui dans lequel les pays occidentaux n'assureraient plus la défense de la Pologne. Donc cette fameuse 90e brigade ukrainienne d'assaut aéroporté qui est engagée maintenant, qui était la brigade la plus puissante des forces ukrainiennes avec les chars Challenger, les Marder, ainsi de suite, elle est engagée maintenant dans la direction de Tokmak et elle est sur Robotyne. Aux dernières nouvelles, Robotyne aurait été pris par les Ukrainiens, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors ce qui est intéressant derrière justement cette notion d'attaque et d'effort sur la Robotyne, c'est que la 47e brigade mécanisée a perdu 50% de ses moyens en Bradley. Alors certains sites pro-ukrainiens disent que c'est pas grave, ainsi de suite, mais le problème c'est que les Bradley, même s'il y a une réserve, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont capables de faire la maintenance de ces engins. Pour information, les Australiens ont fourni des Bushmaster à l'armée ukrainienne, mais ils n'ont donné aucune information sur la maintenance et ils n'ont pas accompagné à les livraisons de maintenanciers capables d'expliquer aux Ukrainiens comment on assurait la maintenance de ces moyens. Et ça, c'est un autre aspect de cette guerre. C'est-à-dire qu'on a des chars Léopard qui valent plusieurs millions d'euros, qui se font, on va dire, arrêter par des drones qui coûtent 20 000 dollars. Et comment ça se passe, une attaque comme ça? On a le char. T'as un drone qui va viser les points faibles du char Léopard. Donc, on avait ça sur Telegram. Les Russes avaient déjà préparé depuis des mois pour que toutes les troupes sachent les points faibles des chars Léopard. Donc, t'as les drones qui vont attaquer certains endroits névralgiques du char Léopard pour l'arrêter. Et après, c'est comme une partie de chasse. Donc, on a la bête, on veut l'arrêter. Il y a un autre drone qui va immobiliser le char et il va être achevé par l'artillerie lourde ou par un autre char. Mais donc, c'est un tandem, c'est un travail d'équipe, toutes ces batailles. Et ces drones, ils sont fabriqués où aujourd'hui? C'est les Russes qui les fabriquent? Pour l'instant, on les appelle les drones iraniens. Donc, oui, voilà, c'est les fameux, pas les Bayraktar, ça c'était les Turcs côté ukrainien, mais les drones iraniens, ouais. Mais sinon, les Russes, ils ont leur Lancet, mais encore une fois, c'est de comprendre la Russie, c'est dur parce qu'ils ont une approche boîte noire. Mmh. Donc il y a très peu de. On peut pas savoir vraiment ce qui se passe de leur côté. Est-ce que ce sont des drones vraiment iraniens ou est-ce qu'un autre pays les envoie à l'Iran, un autre pays qui aurait une puissance industrielle plus grande? Donc ce serait l'Inde ou la Chine. On sait quel pays pourrait envoyer des milliers de drones comme ça et les Iraniens pourraient rajouter leur petite touche et après être envoyés en Russie. Voilà. Les Russes pourraient aussi ajouter leur petite touche pour les drones. Mais donc, voilà, il y a beaucoup de... Mais si c'était vraiment les Chinois, la CIA aurait levé l'information et l'aurait fait fuiter dans la presse, comme elle le fait souvent, pour embarrasser la Chine. Elle aurait envoyé un super agent sous couverture journalistique, trouver, recruter une source en Chine et sortir l'affaire dans le New York Times, comme ils faisaient pendant la guerre froide. Oui, j'y ai pensé, mais en même temps, ça serait peut-être trop gros. C'est-à-dire que ouais. Là, ça les forcerait peut-être à intervenir contre la Chine et il y a beaucoup d'intérêts économiques qui ils veulent pas trop. Donc, les Ukrainiens, sur le front de Zaporijjia et dans la direction de, on va dire, direction générale de Tokmak, ont engagé le 10e corps, avec ces unités-là, et notamment ces brigades d'élite, qui sont notamment la 82e que l'on voit ici avec une brigade d'artillerie. Les Ukrainiens, entre le 1er août et le 20 août, ils ont avancé de 1,5 km en direction de Robotyne. Voilà où en sont les Ukrainiens. Voilà où en sont les Ukrainiens au bout quasiment presque 3 mois d'offensive. And again, this is, you know, what the reports are telling us. This brigade, the 82nd brigade, numbers 2,000 men. Now, that is not a huge force to break through all the way to the Sea of Azov. I mean, it's, you know, not going to be enough if it is indeed the last reserve. It's the last thing that they have to throw in. And yes, they have the strikers.
And yes, they have the challenges, but why are they going to succeed where the Leopard 2s and the Bradleys have failed? I mean, it doesn't seem logical to me. They might be able to capture this village, Rabotina, you know, which they've been trying to capture now for 2.5 months. But if they capture Rabotina, what then? They've still got the big fortified lines. Ensuite, ils ont également approché Rabotina le 8 août. Et ils ont été obligés de reculer. Alors, il semble que maintenant, ils aient vraiment pris Rabotina. Mais c'est quoi Rabotina? Rabotina, c'est un village de 500 âmes. C'est un tout petit village. C'est un billard. Et depuis qu'ils sont sur Rabotina, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'artillerie russe, elle cible Rabotina de manière continue. Globalement, voilà où on en est en termes de position. Sachant que les Russes, bien sûr, ne se gênent pas pour amener des renforts. Aux dernières nouvelles, d'ailleurs, ils seraient en train de mettre en place une 18e armée au sud de Kherson. Donc, à voir, toujours l'éternel sujet en fait des réserves russes, puisque autant les Ukrainiens, on est dans un système d'hypercommunication. Chaque brigade ukrainienne a sa page Facebook. C'est un truc incroyable. On peut suivre ce qui se passe en regardant les pages Facebook des brigades ukrainiennes. Côté russe, c'est le blackout. They've been pushed back in the Bakhmut area. They've lost ground there. The 82nd Brigade will be thrown in. But I don't think anybody any longer expects this offensive is going to succeed. The big story is all this talk now about diplomatic moves to try to end the war. And I think let's talk first of all about Jensen. This is Stoltenberg's chief of staff, who made those comments in a talk show. And he's apologized, as you correctly said. He says that this is all about, you know, swapping territory for peace and then joining NATO. He says, you know, Ukraine might need to think about doing that. He then has apologized for that. He then says he made a mistake. But if you read his words very carefully, what he's saying is, it's not a mistake to suggest this as a potential way forward. It was a mistake to talk about it in the way that he did on that discussion program. In other words, it's the way he presented it, rather than the idea itself, that is the mistake. When people engage in this kind of convoluted language, which if you look at Jensen's so-called retraction, it's actually convoluted language, then that tells you that something is up. The White House, of course, have also issued a denial, but that, you know, that they support this thing, but then that's, again, no more than to be expected. But we now have Sarkozy weighing in. We've had reports appearing in other places. We discussed one of them, you know, a couple of weeks ago that had appeared in Moscow Times. It was all very strange. Lots of things are going on there. But that's, it seems to me, the plan. Freeze the war. Agree a ceasefire with the Russians. Give the Russians, allow the Russians to keep what they've got. C'est que les Russes cachent. Les Russes, Maskirovska, hein, on ne sait pas ce qui va se passer. En revanche, on sait ce que font les Ukrainiens et on sait très bien l'importance de la communication, parce que je le vois sur les réseaux et sur Rabotina, la prise de Rabotina, hein, c'est-à-dire quelques arpents de maisons détruites, est présentée sur les réseaux par des gens qui n'ont aucune compétence, mais qui relaient, on s'auto-congratule, etc. Il y a une forme de fanatisme qui s'est installée, et pour que le soutien en Occident, le soutien à la direction ukrainienne persiste, eh bien, on va continuer ces opérations de militaires à objectif de communication. Très bien, on sait que ça coûte entre 5 à 10 000 dollars pour être sorti de ces listes de mobilisation. Donc, tous ceux qui avaient un peu d'argent de côté ont pu payer, et c'était les pauvres qu'on a dû envoyer. En fait, le nombre d'histoires que j'entends de pères de famille de 4 enfants qui ont été envoyés au front, malgré le fait que si tu as des enfants à charge, normalement, tu ne devrais pas être envoyé au front. Il y a des gens qui ont une jambe, qui ont été appelés à aller au front. Il y avait de tous les âges. Je comprends juste pas. La seule explication, c'est que le système ukrainien est décousu.
Ils sont mal organisés. Et donc, ce n'est pas une question d'ajouter plus d'argent, de l'équipement, s'ils ne savent pas organiser leurs ressources. Mais je tiens à dire que le plus gros problème, c'est l'entraînement des troupes. Par exemple, il y avait un colonel américain qui allait sur place pour donner de sa personne pour entraîner les troupes. Bon. Mm-hmm. Il disait que s'il était chanceux, il avait 3 à 5 jours pour former des civils en soldats. 3 à 5 jours. Ouais. Ouais. Et là, à un moment, il parle d'un gars qui s'appelle Ed. Il disait que c'était un artiste graphique dans la trentaine. Il avait une femme, un petit bébé. Et il était très bon, très motivé. Il apprenait beaucoup tous les jours. Il rechargeait son fusil. Il apprenait toutes les tactiques et tout. C'était le meilleur du groupe. Bon. Bah, ce Ed, sa durée totale du moment où il est rentré dans le bureau de mobilisation jusqu'à sa mort, 2 semaines. Une semaine après la fin de l'entraînement, son officier a envoyé sa section en plein dans un champ de mine par erreur. Et Ed, voilà, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était une fin douloureuse. Le ministère chinois de la Défense nationale a critiqué la décision des États-Unis de vendre pour plus de 500 millions de dollars d'armes à la région de Taïwan. La Chine estime qu'il s'agit d'une ingérence flagrante dans ses affaires intérieures et d'une violation grave du principe d'une seule Chine et des droits de communiqués communs entre les deux pays. Le ministère a ajouté que la question de Taïwan était au cœur des intérêts de la Chine et que l'armée populaire de libération de Chine restait toujours en état d'alerte afin de défendre fermement la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, ainsi que maintenir résolument la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. La Chine a rappelé que sa position concernant la question frontalière sino-indienne était cohérente et claire. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbing, a souligné que la question frontalière entre la Chine et l'Inde était un différent hérité de l'histoire. Il a déclaré que les deux pays devraient s'efforcer de trouver une solution juste, raisonnable et mutuellement acceptable par le biais de consultations pacifiques et amicales. Monsieur Wang a également exprimé l'espoir de travailler avec la partie indienne afin de mettre en œuvre le consensus important atteint par les dirigeants des deux nations en vue de promouvoir le développement de relations bilatérales saines et stables. Après que le sommet historique des BRICS de Johannesburg a nommé 6 nouveaux pays pour rejoindre le groupe, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a publié une déclaration. Il a déclaré « J'apprécie l'invitation du bloc BRICS à accueillir l'Égypte en son sein. Nous chérissons la confiance des États du bloc. » Monsieur Sisi a souligné qu'ensemble, le groupe élargi s'efforcera de faire entendre la voix du Sud. L'adhésion au bloc a un effet stimulant sur le moral des citoyens qui se sentiront plus à l'aise face à la pression économique qu'ils ont ressentie. Rejoindre un bloc économique de cette ampleur renforce la confiance des marchés égyptiens. L'impact exact de l'adhésion au BRICS sur l'économie égyptienne reste à évaluer. Cependant, de nombreux experts pensent qu'elle contribuera à soulager la demande croissante de dollars américains. La demande de billets verts en Égypte a fait perdre à la livre la moitié de sa valeur en l'espace d'un an. Le marché officiel d'échange fixe le dollar à près de 31 livres, tandis que sur le marché parallèle, il se vend environ 30% plus cher. Au cours des 2 dernières années, l'Égypte a souffert d'une tension sur la monnaie locale. La balance commerciale de l'Égypte en dollars américains est évaluée à 90 milliards par an. Actuellement, les échanges commerciaux entre l'Égypte et les 5 États BRICS s'élèvent à 25 milliards. Si ces échanges sont réglés dans d'autres devises, la livre égyptienne subira une pression moins forte. Nous nous attendons également à ce que l'adhésion aux BRICS accroisse nos échanges commerciaux. Pour les 6 nouveaux États, l'adhésion aux BRICS ne signifie pas qu'un partenariat économique débutera entre eux et les fondateurs du bloc. Il s'agira plutôt d'accélérer et d'élargir les partenariats commerciaux en cours, dont l'Égypte bénéficie déjà avec chacun d'entre eux. Le golfe de Suez, derrière moi, est l'une des nombreuses régions d'Égypte qui devraient être les témoins du boom économique que les BRICS pourraient apporter. Outre sa vitalité en tant que port d'accès au canal de Suez, des complexes industriels de plusieurs milliards de dollars sont construits par des pays comme la Chine et la Russie afin que leurs produits puissent atteindre tous les coins du monde avec les prix compétitifs de la production nationale. Donc c'est flagrant, en 2023,
les BRICS ont dépassé le G7 en matière de PIB. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de PIB. On n'est pas sur un PIB basé sur la parité de pouvoir d'achat. Par contre, lorsqu'on commence à découper le PIB des BRICS, on s'aperçoit que c'est un PIB qui repose énormément sur de la production, que ce soit de la production agricole, de la production énergétique, bon, de la livraison de matières premières ou d'énergie, mais surtout d'industrie. Alors, attention, ces chiffres-là sont ceux des BRICS d'avant l'élargissement. Oui, hein. d'avant, tout d'avant à fait. D'avant l'élargissement. C'est les BRICS à 5, hein, donc les BRICS originaux. Donc maintenant, l'avenir des BRICS à partir de juin 2024, eh bien, c'est plus 6 pays, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Donc des pays sur le plan politique de pieds différents, des économies également de pieds différentes, mais avec des forces et des faiblesses qui sont flagrantes au sein de chacun de ces pays, mais qui vont amener une puissance au niveau mondial qui ne sera pas négligeable. Comme on le voit sur ce graphique, on s'aperçoit que les BRICS, format 2024, vont être prépondérants dans bien des domaines. Le domaine pétrolier, le domaine, bien sûr, du nombre de la population, le domaine agricole, le domaine industriel, comme je l'avais dit, et surtout des domaines infiniment stratégiques, comme les métaux rares et les métaux type palladium, qui deviennent indispensables et incontournables dans l'électronique aujourd'hui. Mais pas que, on voit aussi les BRICS, au moment où j'enregistre cet octogone, c'est le sommet des BRICS, d'où la France a été exclue. Là aussi d'une façon pas très glorieuse, et je ne peux insister suffisamment sur le caractère historique de tout cela. C'est vraiment un événement majeur de la géopolitique des relations internationales. L'Iran veut faire l'unité du monde musulman avec l'Arabie Saoudite. Là, on est sur de la dépêche sérieuse. Ça a paru le 18 août. Et bon, c'était complètement inenvisageable il y a 10 ans. L'Iran chiite, complètement contre la monarchie d'Arabie Saoudite. Et puis les BRICS qui sont passés par là pour consolider leurs approvisionnements de pétrole, pour aussi consolider les nouvelles routes de la soie en ce qui concerne la Chine. C'est un tour de force diplomatique. Tous les médias auraient dû en parler encore et encore si les médias avaient été indépendants. C'est vraiment un tour de force diplomatique que d'être parvenu à réconcilier l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui sont pourtant encore en conflit par proxy avec les Houthis au Yémen, dans lesquels d'ailleurs la France avait armé l'Arabie Saoudite, et on a eu des crimes de guerre très importants. Mais c'est vraiment unique. Hein. D'ailleurs, ça témoigne, alors je dois vraiment vous le dire, je m'étais complètement gouré sur Mohamed Ben Salman. Aujourd'hui, sa maturité géopolitique est assez flagrante, et c'était inattendu de la part d'un souverain aussi jeune, et puis qui avait autant de pouvoir, autant d'argent disponible. L'information est tombée ce soir, ici à Niamey. Dans une lettre adressée aux autorités françaises, le ministère des Affaires étrangères du Niger informe avoir retiré l'agrément de l'ambassadeur de France dans le pays. Sylvain Ité, c'est son nom, a 48 heures pour quitter le territoire nigérien. Cette décision fait suite, selon ce même document, à un refus de l'ambassadeur d'assister à une réunion prévue ce matin au ministère des Affaires étrangères. Des agissements contraires aux intérêts du Niger sont, je cite, également évoqués dans ce document, sans toutefois que leur nature soit précisée. Depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, les autorités françaises réclament un retour de Mohamed Bazoum et un rétablissement de l'ordre constitutionnel. Sylvain Ité était ambassadeur dans le pays depuis le 28 septembre 2022, soit un peu moins d'un an. Le militaire nigérien a donné 48 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays, alors que les relations entre ce pays d'Afrique de l'Ouest et son ancien colonisateur se sont encore détériorées. Et dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères nommé par la junte a déclaré que cette décision était une réponse aux actions entreprises par le gouvernement français et qui était contraire aux intérêts du Niger. Reuters indique que le ministère français des Affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Cependant, l'AFP rapporte que ces duties Mathieu a été rapidement rejeté par Paris. Et plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant la base militaire française de Niamey, la capitale nigériane, menaçant de prendre d'assaut l'infrastructure si les troupes ne la quittaient pas dans la semaine. Par ailleurs, la junte a signé 2 ordonnances autorisant les troupes militaires du Burkina Faso et du Mali à entrer au Niger pour soutenir le pays en cas d'agression. Pour revenir, que ce soit donc le début de la
la fin de la France-Afrique qui avait été sonnée avec le Mali, mais qui se poursuit donc avec le Niger, la prise, disons, en otage du président Bazoum, qui était très pro-France-Afrique, et qui avait donc été complètement prévu par des analystes comme Bernard Lugan, avec une green analyse qu'on connaît, hein, qui est interdite aujourd'hui, notamment dans Le Monde, CELSA, Sciences Po, etc., c'est-à-dire le fait que l'ethnie n'existe pas en Afrique et que si elle existe, ce n'est qu'une construction coloniale, il n'y avait pas d'ethnie avant, c'est bien connu. Et donc amener l'ethnie, bah, c'est amener quelque chose qui n'existe pas, donc ça crée systématiquement des situations d'aveuglement en fait dans la géopolitique et la compréhension de la géopolitique par la France, et ça vous donne la fin assez pathétique de la France-Afrique aujourd'hui, avec une fin programmée du franc CFA, mais pas que. En Espagne, c'est désormais tout le milieu du football qui est en émoi suite au baiser volé du président de la fédération en finale de la Coupe du Monde féminine. Les joueuses de l'Aurora sont en grève tant que les dirigeants actuels restent à leur poste, et nombre de voix se font entendre pour qu'une prise de conscience ait lieu au plus haut sommet du foot espagnol. Je crois que nous sommes en disposition de que esto sea el Me Too del fútbol español y de que esto sea un cambio. Y por lo tanto el gobierno quiere advertir de eso, quiere ser muy contundente a la hora de decir que hay cosas que no pueden volver a pasar. Ce vendredi soir, Jenny Hermoso a publié un communiqué. Elle y affirme que le baiser n'était pas consenti, expliquant s'être sentie vulnérable et victime d'une agression de la part de Luis Rubiales. Une position à l'opposé de ce que plaide le président de la fédération, qui refuse catégoriquement de démissionner, dénonçant une tentative d'assassinat social. L'été n'est pas encore terminé, que le gouvernement prend déjà une disposition pour l'hiver à venir. Les centrales à charbon du pays pourront fonctionner plus longtemps, pendant plus d'un an. Décision actée par décret publié au journal officiel hier. L'objectif, c'est d'éviter des coupures d'électricité cet hiver. Baptiste Morin, est-ce que cela veut dire que la menace d'un blackout est de retour ? Le risque existe, même s'il semble moins important que l'année dernière. Le ministère de la Transition énergétique explique d'ailleurs s'attendre à un niveau de tension moindre sur le réseau électrique. Mais il a bien décidé d'autoriser nos deux centrales à charbon, encore en activité, à fonctionner 500 heures au-delà des 1300 déjà autorisées. Un choix guidé par la prudence, comme l'explique Thierry Brosse, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'énergie. Sur le premier semestre 2023, on a beaucoup moins consommé de charbon parce qu'on a remis en route des centrales nucléaires. Donc ça devrait aller mieux, mais prévoir un hiver, c'est extrêmement compliqué. Et puis, nous n'avons pas de relations apaisées avec la Russie. Et la Russie, c'est quand même toujours 15% de nos approvisionnements en gaz. 1800 heures, c'est tout de même 700 de moins que l'hiver dernier. Ce qui montre bien que le risque de coupure électrique est moins important parce que notre parc nucléaire va beaucoup mieux. En 2022, il a produit près de 300 TWh d'électricité. Il devrait osciller cette année entre 300 et 330 TWh. Bon, avant tout, j'aimerais vous recommander un site absolument extraordinaire. C'est celui de Géopragma, l'institut de Madame Caroline Galacteros. Allez-y, visitez-le. Tous les liens que je vais vous donner sont en description. Alors, un YouTuber m'envoie cette photo publié le 22 août dans Le Temps, c'est un journal suisse, qui illustre les difficultés qu'ont les Ukrainiens à combattre les Russes. Mais un autre article, dans un journal également helvétique, met en doute cette photo, prétextant que cet homme ne porte pas de casque ni de gilet pare-balles. Moi, franchement, je la trouve très parlante, cette photo. C'est une photo d'action. Cette photo a été prise au moment où l'homme était en train de tirer, à mon avis, son RPG. Et non, comme le dit ce journal, au moment où il s'apprête à tirer. Le tireur ouvre la bouche pour éviter une compression de cet tympan, parce que l'explosion est quand même énorme. Alors, il n'a pas de gilet pare-balles, mais enfin, c'est tellement lourd, un gilet pare-balles. Et il n'a pas de casque, mais c'est tellement encombrant. Alors pour moi, le journaliste qui critique, comme beaucoup, n'a aucune idée de ce que c'est que la guerre. Alors moi, je vous encourage, comme le YouTuber qui m'a envoyé cette photo, je vous encourage à me contacter sur Tipeee
avec des remarques, des liens et des questions. J'y répondrai. Alors, sur le blog du Diplo, un article, baignade dans la Seine quand la fable tourne au fiasco. Très éclairant sur l'aveuglement de nos politiques dans ce choix. Et puis un article, grâce aux BRICS, un monde multipolaire, c'est intéressant. Puis un article sur la pollution lumineuse. Ah, ça me plaît bien, la pollution lumineuse. Ah oui, j'aimerais tant continuer à regarder les étoiles. Et puis un extrait d'interview dans Marianne, d'Henri Proglio. La destruction d'EDF a été structurée, voulue et obtenue. Et un article absolument incroyable que je vous recommande, Palestine-Israël, la guerre du sperme. Alors dans Front Populaire, un article sur un sujet qui m'intéresse particulièrement, dont vous avez vu certainement des extraits dans mes revues. C'est l'instrumentalisation qu'a fait la Chine des rejets d'eau de Fukushima. Et pourquoi cette opposition à cette action qui n'a apparemment aucun danger pour la faune ni les océans. Alors rappelez-vous, je vous avais dit il y a quelques mois que peut-être la Chine et la Russie étaient intéressées à créer une nouvelle AIEA. C'est à mon avis très probable. Bon, ben écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite revue de presse. N'oubliez pas Tipeee, nous en avons besoin, vraiment. Likez, partagez et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Au revoir.